Excusez-moi, est-ce que Monsieur Goldinger est là, s'il vous plaît? Il habite l'hôtel? Je n'en sais rien. Je l'ai aperçu au moment où il descendait de voiture. Il est entré chez vous. Goldinger. Non, je n'ai rien à ce nom, monsieur. Et Monsieur Padenberg? Le directeur Padenberg? Oui, je désire lui parler. Vous voyez, c'est un vieil ami. Cela me semble difficile. Il a une réception dans quelques instants. Réception? La chambre de commerce. Et la réception sera suivie d'un déjeuner. Est-ce que vous pourriez me prévenir de l'arrivée du ministre? Naturellement. Merci. Qui dois-je appeler, monsieur? Monsieur Padenberg, je vous prie. Ah, le directeur Padenberg. Je peux fumer? Mais bien entendu. Monsieur Padenberg va venir. Merci. Mais bien sûr, j'avais raison. Goldinger! J'ai cru que je m'étais trompé. J'étais dans le tramway, je t'ai vu descendre de voiture. Je passais par hasard tout de suite, je me suis dit, c'est Goldinger. Pardon, excusez-moi, vous désirez? Tu ne me reconnais pas? Hofer! Robert Hofer! Bad Aibling, 1946. Oui, il y a longtemps, c'est vrai. J'ai rien oublié de ces années-là. C'est la raison pour laquelle je t'ai tout de suite reconnu. J'ai une bonne mémoire. En dépit du temps écoulé. Je te dérange. Bad Aibling en 46. Robert Hofer. Oui, oui, c'est exact. À présent, je me souviens, oui, naturellement. Hofer. Robert Hofer. Tu m'as vu en passant par hasard. Oui, je passais en tramway. Je t'ai vu descendre de voiture, je t'ai vu qui pénétrait ici, je me suis permis de te demander. Mais sur l'ardoise, il y avait écrit Padenberg. Ah oui, parce que le portier et le chauffeur à qui j'avais demandé le nom de l'homme qui venait de descendre de voiture et d'entrer disaient que tu étais le directeur Padenberg. Est-ce que tu as parlé de Goldinger à quelqu'un? Oui, j'en ai parlé, mais sans y attacher d'importance. Je te dérange sans doute? Oh non, 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 j'ai plusieurs choses à faire, mais pas tout de suite. J'ai quelques minutes. Tu as du temps? Bien sûr, j'ai tout mon temps, j'ai rien de spécial à faire. Voulais-tu aller? Tu as rendez-vous? Non, non, aucun. Je suis libre, j'ai absolument tout mon temps. La chose la plus importante pour moi, c'est de t'avoir retrouvé. Très bien. Alors voilà, je vais chercher ma voiture. Tu vas sortir, tu prends la rue sur ta droite, celle qui va sur l'opéra. Et une fois là, tu m'attends. Entendu, je vais y aller. Tu monteras en vitesse, autant que je sache, le stationnement est interdit. Entendu, je fonce. Je t'attendrai à l'opéra. J'arrive tout de suite. Excusez-moi, on peut téléphoner? Oui, monsieur, de ce côté. Merci. Oui, allô? Ah, c'est toi. Où es-tu donc? Je t'attends. Je suis désolé, Irène. Seulement, je viens de retrouver un camarade d'enfance. Goldinger. Je t'en ai parlé souvent. Oui, et ce Goldinger, je l'ai vu descendre de voiture. Oui, Bad Aibling. Tu t'en souviens? Mais pourquoi Padenberg? Ah oui. Oui, mais pas trop longtemps. Le déjeuner est prêt. Oh, ça ne te dérange pas que je fume dans ta voiture? Non, pas du tout. Le cendrier est là. Merci. Seulement si ça te dérange. Non, ça ne me dérange pas. Je suis désolé de t'avoir obligé de manquer ta réception. Sans importance. On aurait pu se revoir un autre jour. J'ai tout mon temps. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu as du boulot? Quelle profession tu avais à l'époque? Tu étais
peintre, si je me souviens. Oui, dessinateur. Tu te souviens de ça? Seulement à présent, c'est moins reluisant. Je peins des armoires rustiques. Explique-moi un peu. Des armoires rustiques. Comment te dire-je? Je fais ça pour un supermarché. Je peins des trucs devant les clients. Ils me regardent peindre. Oh, c'est une sorte d'attraction. Vois-tu, j'ai parcouru des kilomètres pour aller repérer les originaux. J'ai pu retrouver de beaux modèles anciens. Il y en a d'extraordinaires. J'ai réussi à recopier de très jolies choses. Et j'arrive à faire des œuvres d'art. On dirait que ça marche pour toi. Oui, ça marche assez. T'es sûr que je ne te dérange pas? Oui, je t'ai dit que non. Pourquoi ce nom de Padenberg est plus Goldinger? Je me suis toujours appelé Padenberg, Oswald Padenberg. Et Goldinger? Sache que même au camp, j'avais un faux livret, le livret militaire d'un mort. Ça a l'air fermé. Oui. Moi, je crois qu'ils sont fermés tous les lundis, depuis le mois de mars. Et dis-moi, est-ce que tu te souviens quand nous étions au camp, quand je me suis évadé, cet Américain? Tu te souviens de ce qui s'est exactement passé? Bien sûr. Il a été tué. Tué? Oui, c'est le lendemain matin qu'on l'a trouvé, frappé à la nuque. Jamais il n'a repris connaissance. Ils t'ont pris en chasse. C'est-à-dire que c'est Goldinger qu'ils ont pris en chasse, à cause du meurtre. À cause de quoi? Du meurtre? Oui. Ils t'ont cherché pendant des années à cause de ce meurtre. Tu as une cigarette pour moi? Oui, bien sûr. Je ne sais pas si tu aimes cette marque-là. Tu as pu aller te planquer à l'étranger à l'époque? Oui, oui. Tu as eu assez de fric pour aller jusqu'en Amérique du Sud? Au début, oui. Dis-moi. Oui, Alphonse. Tu as vraiment une excellente mémoire. Au bout de tant d'années, tu m'as reconnu. Et surtout en me voyant par une fenêtre. Il y avait quelqu'un d'autre dans le tram ou il n'y avait personne? Non, il n'y avait personne d'autre. C'est une veine de t'avoir retrouvé. Je te lâche plus une seconde, je suis bien trop content. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire? Où veux-tu qu'on aille? Ça m'est égal, tu sais. Je t'ai dit que j'ai tout mon temps. Tu ne peins pas tes trucs au marché? Non, j'ai pas d'obligation, je suis libre de mon travail. Ah, la liberté des artistes. Très bien, je sais où on va aller se balader. Je connais un excellent restaurant à Forstenrieder Park. Je pense qu'il te plaira. Qu'est-ce qu'il y a, Alphonse? Je réfléchis. Je passe mon temps à réfléchir. Que se passerait-il si d'autres me reconnaissaient? Si on savait, je serais dans une sale situation. Comment veux-tu que l'on puisse te reconnaître? Combien veux-tu pour ne rien dévoiler? Combien? Oui. Pour arriver à oublier tout ça. À l'époque, ils m'ont pressé de tous les côtés, comme un citron. J'ai pas dit un mot. J'ai toujours pensé qu'on se reverrait un jour. Dis-moi pourquoi je le dirais aujourd'hui? On me liquiderait. C'est pas par moi qu'on risque de savoir quelque chose. On me liquiderait. Alphonse, est-ce que tu supposes que je peux parler? Peut-être que oui. Je suis passé dans ce mal des milliers de fois et à chaque fois je suis perdu.
Je sais plus où je suis. Il y a un panneau plus loin, je crois. Tout près d'un buisson. Tu veux aller voir? Oui, naturellement. C'est un chemin qui part dans la forêt? Alphonse! Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Bonsoir, messieurs. Madame Hofer? Oui. La brigade criminelle. Brigade criminelle? Que se passe-t-il? On peut entrer? Oui, bien sûr. Après toi. C'est bien votre mari, madame Hofer? Oui. Vous avez ses papiers? Comment les avez-vous eus? Votre mari a été retrouvé à Forsten Reeder Park ce soir. À Forsten Reeder Park. Il a été assassiné. Assassiné? Une balle dans le cœur. Il a dû mourir sur le coup. Excusez-moi. C'est arrivé quand? Aujourd'hui, entre 1h et 2h. Oui, il n'était pas rentré déjeuner à la maison. Qui l'a assassiné? C'est une chose que nous ne savons pas encore. Le corps de votre mari n'a été retrouvé qu'à 18h. À Forsten Reeder Park, avez-vous dit? Comment est-il allé là-bas? Avez-vous une voiture? Non. Vous disiez qu'il n'était pas rentré pour déjeuner. Où était-il? Vous en avez une idée? Il travaille dans un supermarché. Il peint des armoires rustiques. Il m'a appelé et il m'a dit... Je vais rentrer plus tard. Mais il n'est pas rentré. Il ne vous a pas rappelé pour dire qu'il avait un petit empêchement de dernière heure et qu'il pensait revenir plus tard? J'espérais que vous auriez une indication à nous donner. Indication? Non. Je n'en ai pas. Aucune? Non. Madame Hofer, il est 21h à présent. Quand votre mari vous a-t-il téléphoné? Il était midi. À midi, il vous téléphone pour vous dire qu'il rentrera un peu plus tard. Et il n'est pas rentré. Pas plus que pour dîner. Et pourtant, ça ne vous inquiétait pas? Non. Vous savez, mon mari était un artiste. Pas un génie, mais un artiste. Seulement, pas besoin d'être un grand artiste pour se comporter comme un bohème. Je sais. Je veux dire... Il n'avait aucune notion du temps. C'était un homme qui prenait très vite une décision, faisait autre chose et qui oubliait ce qu'il avait décidé une seconde à l'autre. J'ai pensé qu'il avait été peut-être voir un ami ou avoir quelque chose d'autre à faire. Lui connaissiez-vous des ennemis, madame? Non. Ce n'était pas un homme à avoir des ennemis. C'était plutôt le genre de garçon qui passait son temps à chercher comment rendre service aux autres. Ah. Le genre de garçon que tout le monde adorait. Il ne détestait personne et personne ne le détestait. Je pense que... il n'avait pas suffisamment de talent pour qu'on le déteste. Donc il devait avoir beaucoup d'amis. C'était un homme très gentil. Il n'avait que des amis, mais comment peut-on savoir jusqu'à quel point peut aller l'amitié? Oui, oui, c'est évident. Quelle est votre profession, madame Monfer? Je suis secrétaire, je travaille dans une grande fabrique. J'avais pris ma matinée car je devais aller voir mon médecin. Et après cela, où étiez-vous? À mon travail. À peu près vers 1h30, j'étais au bureau. Tu es dans Forsten Reeder Park. Aux environs d'1h30, vous m'avez dit?
Oui. Aux environs. C'est ma belle-mère qui rentre. Vit-elle ici? Non, seulement elle vient quand elle veut. Eh ben, pourquoi tu laisses la clé dans la serrure? J'ai plus le droit d'entrer. Mais si, j'ai oublié d'enlever les clés. T'es folle ou quoi? Je t'avais dit de ne jamais laisser ton trousseau sur la porte. Et oh, tu as de la visite? Bonjour. Ce sont des policiers, maman. Des policiers? Pourquoi des policiers? Robert a été retrouvé dans Forsten Raider Park. Il est mort. On l'a assassiné, mère. Robert est... Oui, on l'a assassiné, maman. Il est mort. Pleure, maman, pleure, mais ça ne sert à rien. C'est inutile. C'est elle. C'est elle la responsable. C'est elle qui a tué mon petit. Il est mort de sa faute. C'est elle qui l'a supprimé, j'en suis sûre, monsieur. C'est sa faute. Pourquoi voulez-vous? Je sais qu'elle le haïssait. Oui, elle le haïssait. Il y a longtemps, elle l'a toujours haï. C'est atroce. Nous allons vous reconduire chez vous. Mon petit. Oui, allô? Oswald. Coucou. Téléphone pour toi. Le téléphone? À une pareille heure? Oui, je vous écoute. Je parle à monsieur Goldinger. Pardon? Allô? Répondez, voyons. Allô? Qui était-ce, Oswald? Qui était cette femme? Je n'en sais rien du tout, elle n'a pas dit son nom. Que voulait-elle? Elle a dû faire un faux numéro. Oui, c'est forcément ça. Mais tu es blême, Oswald. Moi? Oui. Tu es ridicule. Cette femme t'a fait une grosse impression. Oui. Elle n'a pas eu l'air effondrée. Oh, ne te fie pas aux apparences. La douleur ne se mesure pas fatalement aux signes extérieurs. Eh oui, Harry. Mais elle est intéressante. Le ménage ne semblait pas tellement soudé. Et si nous en croyons la belle-mère, il était complètement raté. Oh, les belles-mères, mon vieux. Ils n'ont jamais adoré les femmes de leur fils, c'est tout naturel, mais c'est un rail sur lequel on peut rouler. C'est peut-être elle qui a donné l'ordre de le tuer. Et doucement, tu vas trop vite. De la façon dont cette femme nous a parlé de son mari, elle n'avait qu'à le plaquer tout simplement, non? Elle n'avait qu'à partir et elle pouvait être tranquille. Elle n'a pas de raison pour le faire abattre. Un homme qui n'a aucun ennemi, qui rend service à tous, un désarmoir rustique dans un supermarché qui se fait descendre. Une communication pour vous, monsieur le directeur. Une dame qui n'a pas voulu dire son nom. Elle dit qu'il s'agit d'une affaire urgente et personnelle. Est-ce que je dois vous la passer? Oui, oui, passez-la moi, s'il vous plaît. Paddenberg. Je suis madame Irène Hofer, la femme de Robert Hofer. C'est lui, monsieur Paddenberg, qui vous avait aperçu devant l'hôtel central. Vous vous en souvenez? Vous y donniez une réception. Allô? Vous êtes toujours là? Oui, je vous écoute. Hofer, disiez-vous. Naturellement, vous pourriez tout nier et dire que vous ignorez qui c'est. Seulement, réfléchissez une seconde. Que voulez-vous? Je voudrais... J'aimerais que nous parlions. Quand? Où? Dans une demi-heure. Comment vous reconnaître?
Monsieur Ehring? Oui. Mon nom est Derrick. C'est moi qui vous ai téléphoné. Pouvons-nous bavarder? Oui. Oui, par ici. Merci. Oui, je suis au courant. Je l'ai lu dans les journaux. Tenez, vous voulez vous asseoir? Oui, merci. J'ai cru d'abord que ce n'était pas le Hofer que je connaissais. Ça paraissait insensé. Un garçon si gentil. Pour quelle raison voulait-on descendre un homme si chouette? Ouais, ouais. Hier matin, vers quelle heure Hofer était parti? Hier matin, nous avions presque fini de décorer une belle armoire. Et pourtant, ce n'était pas très facile. Le dessin était difficile. Ouais. On aurait pu la finir avant de déjeuner, mais il a dit, je rentre à la maison. Je crois que sa femme était allée voir le médecin. Oh. Il devait être midi ou midi 30. J'ai dit, entendu, d'habitude on allait manger à la cantine. Donc Hofer n'avait pas l'habitude de rentrer manger? Non, je vous l'ai dit, il n'est retourné chez lui que pour avoir des nouvelles, c'est tout. Oui, des nouvelles de sa femme qui était allée voir son docteur. Elle a dû lui préparer son déjeuner, ce qui ne lui arrivait que rarement. Combien de temps lui fallait-il pour rentrer chez lui? Combien de temps? Oh, il prenait un tramway, alors. Une demi-heure, peut-être? Très bien, une demi-heure aller, une demi-heure retour. Tout ça pour aller déjeuner. N'avait-il pas une autre raison hier de rentrer chez lui? Si, une autre. Vous savez, je suis gêné d'en parler. Oui, il a dit que peut-être il ne reviendrait pas dans l'après-midi pour travailler. Mais pourquoi? Parce que... Bon, il m'a dit aussi que sa femme voulait se séparer de lui. Et hier... Oui, hier, il voulait en bavarder. Mmh. Il a ajouté, j'aime pas rentrer à la maison. Pourquoi Madame Hofer voulait-elle quitter son mari? Oh, je sais pas. Mais je pense que... Voyez-vous, Hofer était un garçon sans... prétention. Il se contentait de barbouiller ses armoires. Seulement, je crois que sa femme avait d'autres ambitions. Oui, je crois qu'elle voulait que son mari ait une promotion, une position, une place au soleil, tout ça. Hofer et l'ambition, ça faisait deux. Et lui, il ne voulait sans doute pas divorcer? Robert, non. À aucun prix? Non. Et pour ne pas divorcer, est-ce qu'il l'aurait engueulé ou quoi? Engueulé, Robert? Non, c'est impensable. C'est un gars qui n'en avait pas le courage. Seulement dans ce cas, elle l'aurait certainement quitté. Oui. Elle ne voulait plus rester avec lui. Leur ménage était tout à fait cassé. C'était un couple disparate. Ça ne pouvait plus durer très longtemps. Monsieur Padenberg? Oui. Je me demandais si j'allais vous reconnaître quand vous alliez entrer. Je n'ai pas hésité une seconde. J'ai vu tout de suite que c'était vous. Madame Hofer? Madame Irène Hofer, oui. Parlons. Je vous apporte votre café, madame. Moi aussi un café, s'il vous plaît. Cela faisait plus de 15 ans que j'avais épousé Hofer. Robert était un garçon réservé, plutôt discret. Quelquefois, il me racontait ce qu'il avait vécu. Une certaine histoire revenait sans arrêt. Lorsque vous étiez tous les deux prisonniers pendant plusieurs mois. Je sais qu'il vous adorait. Vous étiez son ami et vous étiez son soutien. Je pense que vous saviez déjà tout ça. C'est de l'histoire ancienne.
Vous savez que mon mari n'avait pas de volonté. Vous étiez ce qu'il n'a jamais pu être. L'admiration qu'il a toujours eue pour vous. Vous n'avez jamais eu, je pense, de meilleur ami. Ces récits étaient tellement pleins de vous que j'ai commencé aussi à éprouver de l'admiration. Votre café, monsieur. Laissez-le là. Robert était convaincu qu'il entendrait de nouveau parler de vous. C'était son souhait le plus cher. Je vois que son rêve a réussi à se matérialiser. Continuez votre histoire. Vous voulez savoir ce que je sais? Eh bien, je sais tout, car il m'a tout raconté. Sur vous et sur M. Goldinger. Alphonse Goldinger. Pourquoi prendre ce pseudo? J'avais pris le livret d'un prisonnier qui était mort. Et pourquoi vous êtes-vous caché sous ce nom d'emprunt durant plusieurs années? Pour différentes raisons qui ne vous intéressent pas. Politique, sans doute. Ça ne joue plus aucun rôle à présent. Seulement, à l'époque, elles avaient un rôle quand vous avez décidé de vous évader. C'est exact. Robert vous a aidé, je suppose. Robert faisait tout ce que vous vouliez pour vous aider. Il vous a été dévoué sans condition comme un chien. Seulement, la seule chose que Robert ignorait, c'était que votre évasion n'avait qu'une seule chance de réussir. Il fallait arriver à éliminer l'homme de garde. La mort de cet Américain devait être prévue de longue date. Chaque fois que Robert me parlait de ça, il prétendait que non. L'admiration l'aveuglait. Il était certain que tout cela était arrivé par hasard. Goldinger n'est pas un meurtrier. Il s'est trompé toute son existence. Je crois qu'il n'a dû comprendre que dans les dernières secondes, au moment où il vous a vu tirer. Car vous l'avez abattu de face. Quel courage. Hier, quand il était dans le tramway, vous l'aviez accompagné? Non. J'étais restée chez moi, il devait m'y rejoindre. Il vous a vu près de l'hôtel. Il a cherché, il vous a trouvé. Ensuite, il a téléphoné et m'a prévenu. Il vous a téléphoné de l'hôtel? Pendant que je prenais la voiture? Oui. Ce que vous ne pouviez évidemment pas savoir. On rencontre un camarade après tant d'années. Et personne n'est au courant, on ne peut pas le savoir. Vous étiez dans une impasse et cette impasse vous a obligé à agir comme vous l'aviez fait une première fois. Ça vous embêtait de le revoir. Il fallait donc empêcher de parler ce témoin gênant. Vous l'avez tué. Alors vous revoilà dans une impasse encore. Vous réfléchissez en ce moment à m'éliminer aussi. Ne vous donnez pas autant de mal. J'ai pris la précaution chez moi ce matin d'écrire un rapport assez complet sur Monsieur Padenberg. Ça me ferait plaisir, Madame Enfer, si vous me disiez ce que vous voulez de moi maintenant. Vous devez avoir une petite idée. Que voulez-vous faire? Je n'en sais rien. Je vais y songer. J'ai mon temps. Soyez patient. Je vous rappellerai. Garçon, je voudrais payer mon café. De marque, madame. Excusez-moi, vous avez oublié votre oui. sac. Merci. Thank you.
Maman. Maman, tu es là? Maman. Ah, vous aviez mon trousseau. Dans mon sac, je l'y travaille. On peut dire que vous réagissez au quart de tour. Je pense que vous avez trouvé ce que vous cherchiez. Non. Pourquoi est-ce que vous avez ouvert? Vous désiriez que je vous aide à chercher? Non, vous parlez une minute. Que vous me disiez pourquoi vous n'êtes pas allé à la police tout de suite. Peut-être sont-ils venus vous voir déjà? Hier, naturellement. Vous pouviez leur dire ce que vous saviez. Alors pourquoi ne leur avez-vous pas dit? Ah oui, je vois. Vous vous croyez pris au piège. Et vous vous creusez certainement la tête pour trouver l'erreur. En peignant des armoires, ils ne devaient pas gagner grand-chose, non? Non, ils ne gagnaient rien. Vous travaillez? Naturellement, je travaille. Je suis secrétaire dans une fabrique. Pas très reluisant, ce travail. Non, pas très, comme vous dites. Je pourrais sans doute vous trouver beaucoup mieux. Vous croyez? Surtout mieux rémunéré. J'écoute. Disons que je peux trouver un moyen qui vous procurerait une vie meilleure que celle que vous avez, sans doute. Bien meilleure. Et me payer mon silence. Oui. Cela vous plairait-il, d'avoir un peu d'argent? D'avoir beaucoup d'argent? Ça pourrait vous intéresser. Sinon, pourquoi n'auriez-vous pas dit à la police que vous saviez sur moi? Selon vous, ce serait l'argent qui serait la seule explication. J'espère que c'est la seule. Si par hasard vous aviez trouvé le rapport que j'ai eu la prudence d'écrire, qu'est-ce que vous auriez fait? Avez-vous pris votre pistolet? Ou auriez-vous préféré faire moins de bruit? Ce malheureux Américain, vous l'avez étranglé pour qu'il ne crie pas. À tout ce que vous faites, il y a une explication. Rien n'est jamais gratuit. Et vous ne songez toujours qu'à vos propres intérêts. À part vous, rien ne vous concerne. Peut-être n'ai-je jamais fait de rapport. Peut-être ai-je tout inventé. Qu'y a-t-il donc dans votre tête? J'aimerais bien le savoir. Je n'ai jamais écrit de rapport. Mais vous n'êtes pas forcé de me croire. Vous voulez toujours me supprimer? Alors ne prenez surtout aucun risque. C'est une idée tentante, hein? Qui doit vous exciter. Je vous connais, Goldinger. Vous êtes bien tel que mon mari vous avait décrit. Bonjour, madame Offert. Veuillez entrer. Merci. Monsieur Derrick de la brigade criminelle, le directeur Padenberg. Bonjour, monsieur. Je suis désolé de faire ainsi irruption chez vous. On vient de me proposer une nouvelle situation. Monsieur Padenberg m'a offert un poste important. Cette offre tient toujours? Oui, oui, évidemment. Très bien, alors nous sommes d'accord. Bon, je dois me sauver, excusez-moi. Je vous appellerai. Quand vous voudrez. Au revoir, monsieur Padenberg. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
Vous allez changer de situation? Oui, la mienne ne me satisfaisait plus, ça devenait trop fatigant. Venez. Merci. Vous avez du nouveau? Un peu, oui. J'ai eu l'occasion de bavarder avec un ami de votre mari. Oh, excusez-moi. Avec Ehring? Oui. Merci. Alors? Alors, il a raconté que vous aviez l'intention de divorcer. Et que hier, vous aviez décidé de lui en parler sérieusement. Il s'est permis de vous dire ça. Oui. Est-ce que c'est exact? Vous vouliez le quitter? Oui. Le collègue de votre mari a ajouté aussi que vous, si je me souviens bien, oui, c'est ça, que vous aviez de l'ambition, que vous souhaitiez que votre mari ait une situation plus reluisante. C'est exactement ce que je voulais. C'était un artiste, donc un idéaliste. Il fallait sans cesse le secouer pour qu'il voie le monde tel qu'il est. Il acceptait très difficilement qu'il faut se battre pour essayer d'avoir un but et pour devenir un monsieur ayant une place, parce que dans la vie, sans force, rien n'est possible. Madame Offer, y avait-il un autre homme? Un autre que Robert? Oui. Ah oui, je comprends. Non, il n'y avait que Robert. Le monsieur qui vient de sortir? Paddenberg? Oui. Je vous ai dit qu'il m'a offert un nouvel emploi, c'est tout, une situation intéressante. Une situation dans laquelle j'aurai ma vraie place. Alors j'aimerais avoir son adresse. Vous allez la trouver où vous voudrez, Oswald Paddenberg, travaux publics. Ah oui, oui, je connais, bien sûr. Je pense qu'il s'agit d'une grosse situation, si le patron lui-même se dérange pour vous. Oui, je suppose qu'il s'agit d'un bel emploi. C'est encore elle. Pourtant, je t'avais demandé hier encore, je t'avais demandé de retirer ton trousseau. Mais tu ne portes pas le deuil? Je crois que ton mari a été tué. Ton mari est mort. Et elle n'est pas en noir. Vous voyez, elle ne porte pas le deuil. Ça ne représente donc rien que ton mari soit dans le trou. Est-ce que cela vous indique rien, à vous? Que veux-tu, maman? Qu'est-ce que tu fais là? Jamais elle ne l'a aimé. Pas une minute. Je crois que cet être est un monstre. Cette union, c'était un scandale. Je vais vous dire une bonne chose. Cette femme-là, c'est le diable. C'est le diable. Oh. Vous avez encore besoin de moi? Non. Non, pas pour l'instant. Cette vieille dame a perdu la raison. N'attachez pas d'importance à ce qu'elle dit. Non, bien sûr. Soyez tranquille, j'oublierai tout ça. Un moment, 7,65 Beretta. Ou alors, tchécoslovaque. Pistolet, modèle 27. Évidemment, tu te remues le train. Merci, Weiler. Ah, ils ont pu trouver quelques traces de pneus sur les lieux. On nous envoie le rapport demain. Selon Greilert, qui a été chargé d'expertise des douilles, il pourrait s'agir d'un 7,65 Beretta ou tchécoslovaque. Pistolet, modèle 27, on n'a pas encore les résultats exacts. On les aura dans 15 jours. Oui. Et avec Paddenberg? Jamais été condamné. Il semble très correct. Une entreprise de travaux publics et trois autres firmes, des participations dans des banques, etc. Et on dit que dans l'industrie, c'est quelqu'un d'important. Bon, encore une grosse tête. Une grosse tête qui monte dans une HLM, se fait trois étages pour aller engager une secrétaire. Il y a déjà plusieurs secrétaires. Ça fait sérieux. Je vais passer un coup de fil. J'ai raconté que dans la matinée d'hier, il y avait eu un pépin avec sa voiture, qu'un témoin l'avait reconnu et que ce témoin nous avait donné le numéro. M.O.P. Ça veut dire? Munich Oswald Paddenberg. C'est très bien raisonné, joli travail, Harry. J'ai aussitôt appelé le service des immatriculations pour signaler que la voiture était celle de Paddenberg. Et qu'est-ce qu'il t'en dit? Que c'était une erreur, que M. Paddenberg, hier après-midi, était à une réception de la chambre de commerce, à l'hôtel central. Et alors? Et alors? C'est vrai. Combien de personnes étaient à cette réception? Une soixantaine. Une soixantaine? S'il en manque une, ça ne se remarque pas dans une masse pareille. Tu as raison. J'aurais dû penser à ça. Je vais faire vérifier. Irène Hofer, Paddenberg, Paddenberg, Irène Hofer. Qu'est-ce qu'il peut y avoir entre les deux?
Je suppose qu'il va falloir trouver la réponse rapidement. Appelle-le-moi. Vois-tu, je lui ai demandé quand je suis allé chez elle, qui est ce Badenberg. Elle a dit, c'est un monsieur qui m'a offert un emploi, quelque chose où je serais à ma vraie place. T'as pigé? Belle maîtrise de soi. Elle m'a menti sans sourciller une seconde. Elle pense sûrement qu'on va faire une vérification. Et elle s'en moque tout à fait. Personne chez elle? Non. Monsieur Badenberg? Oui. Veuillez m'excuser. Je reviens. Dehors, il y a une dame qui refuse de s'en aller. Et où est-elle? Elle attend. Je n'ai pas voulu la laisser entrer. Mais pourquoi? J'ai pensé... la laisser entrer? J'ai cru que je devais... Bon, je suis navré qu'on vous ait laissé dehors. Veuillez entrer, madame. Retirez votre manteau. Je m'en chargerai. Laissez donc ça. Vous donnez une soirée? Sans importance, ce sont des gens absolument sans intérêt. Que se passe-t-il donc? J'ai passé toute ma matinée à vous téléphoner. Je n'ai pas voulu décrocher mon répondeur. Quoi? Pas décrocher le répondeur? J'ai bien pensé que c'était vous. Vous vouliez savoir pourquoi la police était venue me voir. Savoir aussi ce que ce flic avait pensé de votre présence. Naturellement. Vous avez dit le directeur Badenberg m'a offert un autre emploi. Est-ce que vous l'avez fait ou pas? Oh, mais oui! Seulement, il ne fallait rien dire. Et pourquoi ça? Ça n'était pas le moment. Ça a dû lui paraître trop beau pour être vrai. Il a dû vous le dire, je suppose. Oui, c'est ce qu'il a dit. Et votre réponse était convaincante? Est-ce qu'il l'a admise? J'ignore si je me suis montrée convaincante. Vous voulez qu'on aille en parler? Je ne veux pas en parler devant tout le monde. Si vous trouvez que je suis trop... Allons dans la cuisine, on sera peut-être plus tranquille. Non, venez. J'avais naturellement une certaine impression de vous, mais je ne m'attendais pas à tout ce que je vois. Cette sauterie, cette maison, la classe de vous inviter en tenue de soirée. Il était trop tard pour annuler cette réception. Vous êtes sûr? Tout à fait certain. Oswald? Oui, qu'y a-t-il? Tu vois que j'ai un entretien d'ordre professionnel très important. Tu pourrais au moins me présenter. Naturellement. Madame Hofer, ma femme. Je suis ravie. Moi également. Toutes mes excuses de venir déranger votre soirée. Mais voyons, aucune importance. Qu'est-ce que vous voulez boire? Veux-tu faire apporter quelque chose? Je vais m'en occuper tout de suite. Pour combien de temps en as-tu nos invités pour... Voyons. Excuse-moi, Oswald. Bon, alors, nous pouvons... arriver à... nous entendre, je pense. Ma situation me permet d'être assez généreux. Assez généreux? Je sais, le mot est incorrect. Je ne voulais pas être vexant, mais... Comment dois-je vous dire les choses? En chiffres. C'est bien ce que j'entendais par généreux. J'avais compris. Je n'en ai pas douté un instant. J'en étais certain. C'est vous qui venez de parler... de chiffres. 100 000 marks. Oui. Voici. Merci, posez ça là. Je servirai. Vous acceptez? Vous n'acceptez pas? Bien, très bien. J'avais peur de votre réaction.
Qu'est-ce que vous avez... Qu'est-ce que vous avez bien pu ressentir quand vous avez vu Robert surgir brusquement devant vous? Vous l'avez bien connu. Quand vous étiez prisonnier, vous avez obtenu votre liberté par un meurtre. Et vous savez que Robert n'en a parlé à personne. Il vous l'a pourtant bien raconté, à vous. Une histoire datant d'aussi longtemps. Il y avait prescription, non? Que ce soit ou pas le cas, si ça revenait sur le tapis, ça aurait pu me casser les reins. Quand Robert m'a reconnu, j'ai immédiatement songé que cela pouvait détruire ma vie privée, ce que j'avais réussi à construire. Je vais vous donner un demi-million. Ce que je voudrais bien, c'est savoir pourquoi vous avez eu peur. Un homme qui dessinait des fleurs sur des armoires, qui ne voulait pas autre chose. Un demi-million, vous avez dit? Oui. Un demi-million. Est-ce que vous voulez encore plus? Vous voyez... Il me faut un moment. Quoi? Vous avez besoin de réfléchir? Vous signez tous vos contrats les yeux fermés, vous? Vous cherchez d'abord où sont les inconvénients, les avantages. Vous pesez le pour et le contre, d'abord. Nous nous revoyons quand? Il faut répondre à ma question. Que craignez-vous? En tout état de cause, il faut que je le sache. Je vous téléphonerai. Quand? Quand? Je veux que vous me le disiez. Vous le verrez bien. Pas besoin de vous déranger. Je connais la sortie, merci. Madame Offer? Que voulez-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai vainement appelé au téléphone, mais vous n'étiez pas là. Alors j'ai pensé que vous viendriez peut-être dans le secteur. Qu'est-ce qu'on fêtait ce soir? Votre engagement? Vous l'avez obtenu? C'est cela que vous fêtiez? Oui. J'ai bu un verre ou deux. Pas assez, je crois. Ah bon, alors très bien, venez, je connais une boîte. Allez, venez, on va y aller. Montez. Cela a dû vous surprendre. Un homme se fait assassiner. On s'attend à voir sa femme en pleurs et elle reste de glace. Je crois que cela a pu exciter votre curiosité. Mais pourquoi n'es-tu pas en noir, le diable en personne? Je peux? Angelo. En plus, je vous avoue que je n'ai pas pensé à mon mari une seule minute. Vous avez entendu ce que ma belle-mère disait. Vous pensez sans doute que notre ménage a été terrible. Ce n'est pas vrai. J'ai torturé mon mari sans arrêt seulement. Je n'ai pas réussi à lui faire de mal. Ce n'était pas un homme qu'on pouvait rendre malheureux. On pouvait le rendre triste, bien sûr. Mais pas malheureux. Prego. Merci. Il était insaisissable. C'est bien ça qui me rendait folle de colère après lui. Qu'il se contente de sa médiocrité, de son inconscience. Qu'est-ce qu'on peut bien penser de quelqu'un qui se contente d'aller travailler dans un supermarché grotesque, qui reste assis pour peindre, et qui est heureux comme ça. Jamais il n'a compris quand je lui en parlais.
Pourquoi se contenter de rester un minable? Un homme doit avoir de la force, de l'ambition, avoir un but, une idée. Il n'en avait pas une. Et pas de volonté. Il disait, la vie est belle. Oui, parlons-en. Tout ce que vous me dites depuis près d'une heure sur lui, Madame Hofer, est assez sympathique. Tous les imbéciles sont sympathiques. Et on peut toujours en faire n'importe quoi. Seulement, pour pouvoir juger de son caractère, il faut que je me fie à ce que vous me dites de lui. Et ce que vous me racontez, ça me plaît bien. Vous trouvez? Oui. La description que vous en faites rend votre mari magique. Magique? Vous voulez dire quoi, au juste? Eh bien, il n'aimait pas les agressions. Les agressions, elles existent partout. Et ça, il le savait. Je vais vous expliquer quelque chose. Mon mari avait un camarade. Un nommé Goldinger, qui lui avait ce que vous dites. L'agression jusqu'au bout des doigts, qui savait ce qu'il voulait, qui était toujours sûr de ce qu'il faisait. Cet homme, il l'admirait encore plus que ça. Il n'arrêtait pas de m'en parler. Il m'en rebattait les oreilles sans arrêt. Sans arrêt. Il ne l'a jamais oublié. Alors, l'impression si forte que cet homme lui avait faite m'a peu à peu conquise. À force d'entendre parler de cet homme, j'ai commencé à admirer Goldinger, comme Robert l'admirait. Goldinger, toujours Goldinger, si vous saviez combien ce nom a pu provoquer d'émotions. Quand mon mari photographiait les paysages tyroliens pour pouvoir ensuite les reproduire. Après tout ce que vous racontez, je commence à admirer votre mari. Si vous me parliez un peu maintenant de ce Paddenberg, vous voulez m'en parler? Non, un autre jour. Ce soir, je ne dirai plus rien. Je voudrais rentrer. Si vous avez autre chose à me dire, il vous suffira de nous téléphoner ce soir. Non. Laissez-moi un peu plus de temps. D'accord, je ne vous ennuierai pas tout de suite. Disons demain matin vers 10h, ça ira? Oui, entendu. Vous êtes gentil de m'avoir écouté. Bonne nuit. Bonne nuit, Madame Hofer. Veuillez m'excuser.
La voiture de Padenberg est devant chez vous. Alors j'ai cru utile de venir vous voir. Entrez, inspecteur. Cet homme en larmes qui est là vient de m'offrir plusieurs millions de marks. Je vous présente le meurtrier. Alphonse Goldinger.